La librairie a nourri l'idée de créer une collection, et l'idée de créer une collection a fait germer l'idée qu'il y avait plein d'inédits de grands auteurs à publier. Et je me souviens que mon raisonnement, on en avait discuté avec à l'époque avec Robert Soula, qui était l'ancien directeur de la série Noire, où je lui avais dit un jour, écoute, à un festival de Reims, moi, pour moi, il y a quelque chose que je trouve aberrant. Vous aviez, je veux dire, la possibilité de publier 8 romans par mois. Bon, il n'y avait pas 8 chefs-d'œuvre. Et vous avez laissé tomber en route des auteurs absolument formidables, sous prétexte, par exemple, de suivre la mode du roman d'espionnage parce que les James Bond marchaient à l'écran. Alors, d'un seul coup, il y a eu des séries d'espionnage pas terribles dans la série Noire, encore qu'ils aient publié les 2 premiers James Bond. Bon, etc. Et je lui disais, moi, ma réaction en tant que lecteur et ma réaction que je peux voir dans les clients, en effet, de la librairie, bon, d'accord, c'est une librairie spécialisée dans le polar, mais justement, les amateurs de polar, c'est que pour être clair et net, je préfère lire un mauvais Goodis, au cas où il y en aurait un, qu'un bon Gérard de Vigné. Bon, donc, je veux dire, c'est n'importe quoi. Quand j'avais, quand on avait découvert qu'il y avait, par exemple, tous ces romans inédits, on disait, moi je me souviens, on a écrit à l'époque avec Jean-Pierre Delou, on avait écrit une lettre à Marcel Duhamel, parce qu'on avait l'idée de faire ce que fera très bien ensuite Claude Mesplède, on avait l'idée de faire un dictionnaire de la série Noire, et Marcel Duhamel nous avait répondu, moi je suis à la retraite, je suis à Saint-Paul-de-Vence, allez voir justement Robert Soula. Bon. Et quand je disais, mais il y a des goodies inédits, Soula disait, oui, mais non, c'est pas des bons, quoi. C'est pas des bons, c'est des livres un peu quand même d'alcoolique repenti, il pleure sur lui-même. Mais je disais, mais j'ai envie de les lire, je veux les lire. Et c'est là où d'ailleurs le problème a commencé, c'est que l'agent américain Scott Meredith, il s'en foutait de goodies, donc il n'avait plus. Donc le correspondant français, l'agent français, ben, il n'avait pas beaucoup d'exemplaires. J'en ai quand même trouvé un certain nombre par moi-même, et par les clients de la librairie, sinon on revient où tout est mêlé, parce que je me souviens que dans la librairie, il y avait un type, je ne sais pas très bien ce qu'il faisait, mais il allait souvent en voyage aux États-Unis, et c'est lui qui m'a rapporté La Lune dans le caniveau, c'est lui qui m'a rapporté La Garce, c'est lui qui m'a rapporté La Blonde au coin de la rue, quoi. Et donc, ou c'est Robert Louis, je crois, qui m'a donné La Blonde au coin de la rue. Donc d'un seul coup, il y avait des espèces de réseaux, et soi-disant, ça n'intéressait personne, soi-disant. C'est-à-dire que là, j'ai une anecdote que je trouve toujours assez drôle, c'est la première réunion de représentants pour l'éditeur PAC, pour Red Label, pour les 4 premiers titres qui étaient 4 livres inédits, un Goodis, un James Cain, un Robert Bloch, un Frederick Brown. Le chef de représentant de l'époque, c'est chez Hachette, me dit à la fin de la réunion, « Mon pauvre ami, vous êtes complètement fou, plus personne ne lira jamais David Goodis ou James Cain. Ça n'intéresse personne. » Et ils avaient dit au directeur de PAC, Thierry Chim, lui avait dit, « Ce garçon-là vous entraîne droit dans le mur. Ça n'intéresse plus personne. » Sauf que, bon... chronique de Manchette dans Charlie Hebdo, il dit ça commence par, on peut pas dire que ça commence mal. Et là où ça a un peu surpris tout le monde, c'est vrai que quand je trouve donc du coup La Lune dans le caniveau, je le publie chez Fayard. Bon, Benex en fait un film, d'un seul coup tout le monde. On s'est dit tiens, finalement ces livres ont peut-être de la valeur, mais il y a eu, oui, tout ça, c'est-à-dire que il y a eu cette clientèle qui était un peu spécialisée, faite de pas mal de copains d'auteurs, on discutait d'un seul coup de ces auteurs, et puis c'était pas bien vu par tout le monde. Je me souviens aussi quand même d'une chronique dans Libération, où c'était pour La Garce, en Fayard Noir, où le critique disait que je publiais des livres dont la date de consommation était dépassée. C'est quand même magnifique comme phrase. Il assimilait la littérature au surgelé dans les grands magasins. Bon. Un jour, je me souviens aussi d'un type qui avait été nommé, je crois qu'il travaillait dans la banque, et qui avait été nommé en Asie, et qui m'a dit, j'ai 300 poches américains. Je lui ai dit, moi, j'ai pas beaucoup la clientèle pour les poches américains, mais bon, je vous laisse pour prendre.
Et puis, comme il n'y avait pas grand monde dans cette librairie aussi, au début, j'ai commencé à prendre dans les rayons, par exemple, un série noir de Whittington, parce que j'avais le texte américain. Et je suis tombé à la renverse. Je me suis rendu compte que, je crois, dans les plumes de John D. MacDonald, le premier chapitre avait été sucré. Alors, dans la version française, on a un petit peu de mal à rentrer, évidemment, ils avaient. Et puis, je me suis rendu compte de coupes incroyables. Alors, encore une fois, très souvent on dit, mais t'es trop polémiste là-dessus, je dis que c'était l'époque, c'est comme ça que ça se faisait, c'était dommage, mais personne va. Je comprends, c'était les mœurs de l'époque. Ce que je trouve, par contre, impardonnable, et ça je le dis haut et fort, c'est que une grande partie de ces traductions sont encore aujourd'hui en vente en 2008 à la Fnac dans des collections qui s'appellent Folio ou Livre de Poche. Et que ça, je trouve ça scandaleux. Je pense que dans la politique de réédition, la moindre des choses qu'il y a à faire, ça n'est pas de se contenter, comme disait Michel Lebrun, de prendre un livre dans sa bibliothèque quand elle est bien fournie et de l'amener à la photocopieuse. C'est quand même peut-être de dire, bon, moi je trouve que c'est un grand livre, est-ce que c'est bien traduit? Si c'est une traduction qui va à l'encontre du livre, il ne faut pas le faire.